Alors, c'est le grand mystère. Je suis désolé, je sais pas du tout ce que je dois faire. C'est n'importe quoi. Le monsieur là-bas, il va mourir. Voilà. Là, j'arrive pas à cliquer parce que. Quoi? Attendez. Non, j'arrive pas, hein. Je comprends rien. Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel de retour sur The Final Station. Alors vous avez vu, c'est marqué Tiny Build. En fait, les créateurs de. Non, pas les créateurs, plutôt les éditeurs de The Final Station sont les mêmes que ceux de Hello Neighbor. Donc voilà, moi je suis très content de connaître ces deux jeux. En tout cas, The Final Station, ça fait 2 mois que j'ai pas joué. Je vais le reprendre, alors bon, je saurais peut-être pas trop bien y jouer, mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Si je me rappelle bien, hein, en gros, il y a des sortes de capsules qui sont tombées. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ma souris. Où est ma souris? Pourquoi je peux pas bouger ma souris? Bah si, je peux me déplacer. Ah oui, non, c'est vrai que la souris, on ne s'en sert pas. Donc lui, il faudrait que je le soigne. Parce qu'il est en train de perdre la santé et il va décéder à ce rythme-là. Bon bah voilà, je t'en donne une. Hein, voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Quoi? Ah bah voyez, c'est comme moi. C'est quoi? C'est la radioactivité? Il y a une bombe qui a explosé? Oh bon sang! Mais il y avait du monde! Oh mon dieu, j'avais pas vu le nuage derrière. Alors, c'était à ça qu'il y avait dans cette cargaison? Oh mince. C'était une bombe atomique que je leur ai livrée. Mais il est encore blessé? Oh. Donc je disais, je sais même plus ce que je disais. Oui, voilà. Apparemment, si j'ai bien compris un peu l'histoire, il y a déjà eu une pre... Pardon. Il y a déjà eu une première visitation. C'est comme ça qu'ils appelaient en fait le fait qu'il y a eu des zombies déjà qui venaient. Et comment ça marche? Oh non! Mais non! Ça va pas! Mais qu'est-ce qui s'est passé? What? Bon, écoutez, attendez. Non? Attendez. Ah, si je peux la remettre. Ah, j'ai ramassé son cadavre. Non, mais attendez, ça va pas le faire. Voilà. Redémarrer le niveau. On va faire ça. Voilà. Et j'arrive plus à me concentrer du coup, parce que j'étais en train de lire l'histoire, de raconter des trucs et tout. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Je prends ça. Je lui donne. Ça, c'était tombé en panne, donc on va le remettre bien comme il faut. Je disais, voilà, alors apparemment, il y a déjà eu une première visitation, c'est comme ça qu'ils appelaient le fait qu'il y avait les premiers zombies qui sont venus, mais ils ont apparemment, bah, ils ont réussi à la contenir. Voilà, donc ça recommence. Et là, ça serait en ce moment la deuxième visitation. Bon, ça, il faut que je le... C'est en train de tomber en panne, il faut que je le remette. Et c'est peut-être donc un rapport avec ces capsules. Voilà. Mais moi j'ai quand même beaucoup de mal. Mais pourquoi il est reblessé, je comprends pas. Je ne sais pas. Alors on va faire un peu de craft, des munitions. Oh là là, mais j'ai rien en fait, il me faut de la ferraille, c'est pas possible. Ah, il n'y avait pas quelqu'un ici? Et ça, je peux pas m'en fabriquer. Ah si. C'est tout? Oh! Mais moi, je sais pas comment faire pour m'en sortir avec que deux à chaque fois, quoi. En plus, lui, il a faim, le monsieur. Bon, bah tiens, mange. Toi, tu vas survivre. Ah bah non, j'aurais peut-être lui donner le kit de soins après, en fait. Ah, mais elle a pas de santé, comment c'est possible, elle? Oh! Mais comment, je comprends rien du tout, hein. Allez, vite, dites-moi qu'on arrive, là, s'il vous plaît, avant que le mec, il meure. Voyons. Ah oui, on est bientôt arrivé avant sa mort. Voilà, donc moi je suis très curieux d'en savoir. Vite, 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 vite. Je suis très curieux d'en savoir plus. Vite, 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 avant que tout le monde meure. Je t'en supplie. Voilà. Sur la suite de cette histoire, parce que. Qu'est-ce qu'il a le monsieur? Oui? Monsieur? 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 Ah, c'est bon, on est arrivé, on est arrivé! Voilà. Avant que le monsieur il meure, hein. Donc je gagne tout l'argent, tout ça. Et tout. Je suis un peu perdu quand même, hein.
Alors, Bristol, la ville des usines Rondamiles, survécu 100 dollars. Martin Jarvis, survécu 140 dollars. Scott Denman, survécu 70. Ah, oh, deux munitions. Oh, merci. Amanda Wingrab, survécu 210 dollars. Franchement, c'est le bon. Oh, regardez, s'occupe de lui et tout. Oh, c'est trop bien. J'ai. 520, c'est bien. J'ai bien fait de faire ça. Mais alors, apparemment, donc, on n'est pas dans une ville de zombies? Ah. Vas-y, laisse-moi te parler, monsieur. Ah, très bien. Vas-y. À plus. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant. Alors, vous venez du nord, tout va bien là-bas. Alors, comment t'expliquer? Bah, si t'arrives pas à les contacter, c'est parce qu'en fait, il y a le remake de 60 secondes qui est en train de se produire là-bas. Voilà. N'est-ce pas une journée magnifique? Ouais, alors, je vous préviens, vous allez bientôt vous être bombé. Voilà. Alors, je vais. Ah, mais il faudrait que je lise en fait. Son bureau se trouve tout en haut de l'usine de Nebelheim, d'accord. Vous la verrez où que vous soyez en ville. Impossible de se planter. Le chauffeur vous attendra pour vous emmener à l'usine. J'imprimerai le code le temps que vous reveniez. C'est vrai que c'était très long. Je vole dans dans ton placard. Je vais aller voir dans les chiottes s'il y a. Salut. Tu aurais pas une cigarette pour moi? Les voyages vers le nord ont été annulés. On s'ennuie tellement sans boulot. Ouais, bah. Ah, oh, trousse de soins, merci. Merci. Attendez, là, je peux pas fouiller. Je peux pas. Non, je peux rien. En tout cas, moi je sais pas vous, mais j'adore ce jeu. J'adore les graphismes, j'adore l'ambiance, j'adore l'histoire. C'est juste trop difficile, mais c'est pas grave. Argent, qu'est-ce que je peux acheter? Vater. Un journal? Un journal. J'achète? Alors, la police de Bristol a mené une enquête sur les ordres d'Adam Thornton, qui a confisqué une tonne d'électrum écrasée illégalement obtenue par l'usine Skamen, alors que cette dernière tentait de la faire sortir de Bristol. Souvenez-vous que toute extraction d'électrum sur le territoire de la ville est réglementée et imposée. Dommage que tant d'années plus tard, certains individus pensent encore pouvoir faire sortir illégalement du minerai de ma ville. L'exemple de ce jour rappellera à tous ce qui arrivera à des voleurs. La rumeur parle d'une augmentation de la mortalité dans la ville. Je vous le dis en tant que scientifique, j'ai commencé à entendre des histoires dans mon premier jour de travail à Bristol. Garder le peuple dans une ambiance empoisonnée ne nous apportera rien. Notre but. Oh mon Dieu, mais j'avais pas vu! Oh! Notre but est que chaque mineur d'électrum puisse vivre une longue vie heureuse. Ouais, bah 50 dollars, tu m'étonnes. Mince, c'est affreux. Il vient de la centrale. Je peux pas passer. Allez, un petit café, tu veux pas me donner un petit café? Comment je fais pour aller là-haut voir le monsieur? Il est trop drôle, regardez, et tout, en train de fumer sur sa terrasse. Mais monsieur, je veux venir avec vous. C'est dommage qu'on puisse pas sauter dans ce jeu, par contre. Bonjour, madame. Jack, c'est encore toi! Bon, bah, au revoir, madame. Elle a pas l'air très intéressée. Bon, en tout cas, les gens, ils ont l'air normaux. Ils fument. Ils font la manche. Quoi, je t'ai rien donné? Oui, il y a une cabine téléphonique dans la rue, d'à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est trop bien, ça c'est nouveau aussi, on n'avait jamais vu avant. Oh là là, mais ça fait beaucoup d'exploration, j'adore ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout dans. D'abord le même quartier et ensuite on va bouger, hein. Voilà. Ah, oh, ça c'est trop bien, merci, je peux acheter. Vas-y, ah oui, ah oui, ah oui. Je n'ai rien à faire pour le reste de la journée. Ah, oh, super, je l'emmène avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus ce que c'est ça. Je sais plus ce que c'est. On dirait de la nourriture ou pas? Je regarde juste jusqu'où je peux aller. Ah bah la voilà la tour effectivement. Ok, donc là je peux pas aller plus loin, donc c'est très bien. Ah je peux prendre la. C'est pas ce que je voulais faire. Désolé. Je fais ça plus tard. Je retourne en ville. Voilà. J'avais pas compris que c'était la voiture. Je ferai ça plus tard. J'explorerai ça plus tard. Je vais parler au monsieur. Merci, mais je ne suis pas intéressé. Ah, genre, je démarche les gens et tout pour venir dans mon butin. Genre, tu veux venir avec moi? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. J'ai de l'argent. Donc, ça, c'est des hameaux. Ça, c'est parce que c'est des visées laser. Oh, 800. Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est des fusils à pompe. Alors, on va. C'est trop cher. Bon, j'en achète. Comment je fais pour acheter? Ah, comme ça. Voilà. Ah, attention, il en a plus. Et je vais tout acheter. Bon, là, ça va. Heureusement, c'est pas très cher. Une visée laser. Ça sert à quoi, la visée laser, vous pensez? À part de la précision. Et le chargeur amélioré. C'est pas mal. Je prends des kits de soins. J'espère que c'est pas trop cher. Oh, ça va. Voilà. Ah, oh, je me sens mieux. Ah, je peux plus en acheter d'autres.
Très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il vend? De la nourriture. Je vais tout acheter. Ah, oh, ça va. Très bien. Ça, c'est pour nourrir mes petits passagers. Allez, on va visiter la ville. Voilà. Oh, les amoureux sur le toit et tout. Moi, je vous dis que faites vos valises et cassez-vous. Hein. Bonjour, monsieur. Nous ne sommes pas encore ouverts. Si vous voulez une chambre, allez à l'étage. Pas de souci. Je vais fouiller chez toi. Parce que j'aime bien faire ça. Cuillère, cigarette, 1$. Je vais casser la vitre. Comment on fait déjà? Ah, je peux pas parce que je suis en mode non-agressif. Ok, là je peux. Ah, je peux pas aller là. Je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est? Tu fais pousser de la weed sur ton balcon, monsieur? Oh, salut! Où aller? Pourquoi? Où cours-je? Dans quelle étagère? Ok, bon, bah salut. Hein. Je peux rien fouiller. Je peux rien fouiller. Ah, bonjour madame. Je vais fouiller en fait. Non mais il y a... Ah si, il y a ça. Alors j'ai rencontré un vieil homme aujourd'hui. Alors c'est ça que j'adore en fait. C'est que dans les jeux comme ça en fait, on peut avancer comme ça sans se préoccuper de l'histoire et tout. Et ce que j'aime beaucoup c'est que dans ce genre de jeu, donc il pose des petits détails, des petites bribes de l'histoire. En fait, il crée toute une mythologie sur le jeu dans des détails qu'on peut ne pas vouloir prendre. Et moi, j'adore ça. Voilà. J'ai rencontré un vieil homme aujourd'hui. Apparemment, il a déjà perdu la boule. Il m'a cependant raconté quelque chose de très important à propos de la première visite. Ah, c'est ce que je vous dis, la première visite. C'est ce que je vous avais dit, j'ai dit visitation, il me semble. Je dois atteindre ce canyon, mais le train va partir à l'ouest. Dans juste une semaine, je vais partir pour le nord. Dans la matinée, ça ira plus vite aussi. Eh bien, nous avons deux chambres de libre. La première est à droite, mais il faut le faire le ménage. Un cinglé vivait là. Et le logement adjacent dehors, mais il a une fuite. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Ouais, j'ai déjà fait ça. Désolé, madame. Effectivement, il y a la grosse fuite là-bas. Donc, je crois que j'ai tout visité. Je vais quand même aller faire un tour à droite. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Pas de voiture, je peux traverser. Bonjour, monsieur. Ah, là, je peux pas aller là, là, non? Oh, j'ai peur. Non, c'est bon. Parce que là, vous voyez, c'est les égouts. Un autre visiteur. Je peux pas fouiller chez toi, madame. T'es pas gentil. Je peux pas fouiller chez toi. Ah! Qui donc est-ce? Êtes-vous aussi pour mon grand-père? Il est à l'intérieur, mais s'il vous plaît, faites vite. Et ne parlez pas des colons, sa famille a beaucoup souffert à cette époque. Voilà. Je ne sais pas. Oh! Oui, j'ai rattrapé la première visite. J'ai souvent proposé d'en discuter, mais j'ai remarqué que le feu, que peu m'écoute vraiment. Je suppose que tant d'années plus tard, personne ne veut connaître la vraie histoire. Ah, mais si, 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 vas-y, raconte. Tout a commencé. C'est ça, c'est des capsules, c'est bien ce que je disais. Tout a commencé avec des capsules tombées du ciel. Mais monsieur, j'en ai vu des capsules. Une d'elles est tombée à un quartier de chez nous. À un quartier de chez nous, ça veut dire un quartier de chez nous. Le gaz contenu dans ces capsules a affecté les gens. C'est bien. Que vous sachiez déjà, c'est quoi? C'est des aliens qui font ça? Mais il y a un détail que les gens laissent souvent de côté. Tout le monde ne réagissait pas pareil aux effets du gaz. Ah, c'est peut-être pour ça que moi je suis pas fou en fait. Désolé, je ne peux pas parler longtemps. Ok, désolé. Oh, attendez, c'est quoi ça? Mémoire, souvenir de la visite. Tous ceux qui ont traversé la zone de la visite ont eu des problèmes. Ont eu des problèmes. La toute première nuit, des locaux ont fait irruption dans notre tente et nous ont attaqué. Ils nous ont frappé mon père à mort. Ah, oh, ils ont frappé mon père à mort. Ils ont traîné ma mère quelque part. Je ne l'ai jamais revue. Il se trouve qu'aucun des locaux ne prend cette affaire au sérieux. Ils ont cru que nous étions des migrants à la recherche d'une meilleure vie, d'une vie meilleure. Un mois plus tard, Vermonde a accédé au pouvoir. D'accord. Voilà. Ah, oh. J'adore les trucs comme ça. Et là-bas, je peux pas aller voir. Ah, la cabine téléphonique. Oh, c'est génial. Vous voyez, ça sert à rien, mais ça vous met dans l'ambiance. Il se passe quelque chose dans le monde, les gens ont pas l'air au courant, et malgré tout, ben voilà quoi. Attendez, je me prépare. Oh, des bouteilles, c'est trop bien. Bonjour. Tu peux fermer la porte avant qu'on nous découvre? Ouais, bah je peux pas, désolé. C'est trop drôle. Bon, allez, salut les gars. Je sais pas s'il y a autre chose à faire, mais bon, voilà. C'est des trucs comme ça qui font l'histoire du jeu, mais qui n'ont pas d'importance particulière. J'adore, je sais, je me répète, mais j'adore. Est-ce que t'as rechargé ton stock depuis tout à l'heure, monsieur? Bah non, bah oui. Il tape du pied, lui, ou quoi, là? Il se croit en rêve parti? C'est parti. C'est impressionnant, quand même, cette usine. Ça fait vraiment alien. Bonjour, monsieur. Veuillez monter dans la voiture. Je monte. Je pensais que je pouvais la fouiller tout à l'heure, c'est pour ça. Bonjour, vous êtes là pour un rendez-vous? Voyons voir. Bon,
Monsieur Thornton vous attend. Entrez. J'arrive. Oh, d'accord. Très bien. Je peux parler à cette cellule énergétique alimente la centrale et toute la ville. Je sais pas pourquoi ça va très mal se passer. Nous devons surveiller son état très rigoureusement. Si un des côtés surchauffe, quelque chose d'irréversible pourrait arriver. Oui, ne... Oh, bah le mec, il a la folie des grandeurs, hein. Son bureau est plus grand que mon appart, hein, voilà. Je sais pas d'inquiétude. Les particules d'électrum des mines interfèrent avec les ondes radio. C'est pourquoi les gens ne savent même pas ce qui se passe. Non, ça n'a rien à voir. Les communications sont coupées parce qu'il y a une bombe atomique. Hein. Ce brouillard les protège du monde extérieur. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Qui plus est, ils. Donc là, il parle des infectés, je suppose. Évite encore ces endroits, mais cela ne vous regarde pas. Prévenez-les si vous voulez. Mais ils ne vous croiront pas de toute façon. Parlons affaires, le temps presse. Selon le contrat avec le conseil, en cas de seconde visite, ah c'est-à-dire qu'ils avaient anticipé la seconde visite, je dois céder le cœur énergétique de l'usine pour recharger le gardien. Le conseil aurait dû fournir le transport, mais je pense que vous comprenez que votre train est la seule chose disponible. J'ai donné l'ordre d'attacher la cargaison au cœur énergétique du train. C'est mieux de se presser. Je sais qu'il n'y a aucun moyen de passer par-dessus les bloqueurs, mais cela c'est votre problème. À plus tard. Quoi? Bon, j'ai pas pu voir là-bas, il y avait peut-être un petit easter egg, un secret, mais bon, bah ça sera pour une autre partie. On va partir. Et c'est vrai que si ça se trouve, je suis le dernier train en vie dans ce monde, j'adore. Ah oui, pardon. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. On se croirait dans, vous savez, je sais plus, comment il s'appelait ce film? Où il y a une femme qui meurt écrasée par une voiture contre un arbre. Avec comment il s'appelait? Mel Gibson là. C'était pas Signe. Alors, au fait, vous n'aurez pas entendu des bruits bizarres il y a 1 heure environ? Hein? Quoi? Ça va? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Bah, il est où le code? Allô? Ah, il est là. Monsieur, vous faites quoi? La cargaison est encore attachée. Bonne journée. Maison supérieure de la métropole, à l'attention de Joshua Barnes, chef de la station Ristol. Confirmation du code du bloqueur 7982. C'est parti. Allez, je vais faire le niveau suivant, même si la vidéo risque d'être longue aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moi j'adore, j'espère que vous aimez autant que moi. N'hésitez pas à me le dire si vous aimez ce jeu, hein, parce que bon, moi je joue parce que ça me fait plaisir, mais vous, je sais pas si vous aimez. Allez, au revoir Ristol. On se retrouve peut-être jamais. Ah, j'ai personne. Ah, si. Salut. Alan Yates, tu as un peu faim. Où allons-nous? Ah, il va me donner une bouteille d'alcool. La métropole. Oh, ouais. J'ai toujours voulu la visiter. Pour voir le gardien. Le gardien, ça doit être un système de défense. Une sorte de bouclier contre ça, en fait. Ou peut-être un immense robot qui défonce les monstres. Je ne sais pas. J'espère que nous n'aurons pas besoin. Je vais donner à bouffer, sinon tu vas crever. Oh là là. Ça va, j'ai 6 de bouffe. Tiens, monsieur, mange. Et toi? Tu veux savoir pourquoi je bois? Oh, regardez, c'est trop beau derrière. Ouais, bien sûr, tu veux savoir. On est des colons. On est tout le temps opprimés. Ah bon? Chaque putain de jour. On peut pas faire ici. On peut pas faire ci. On peut pas faire ça. Excusez-moi. Ah. Oh merde, c'est là-bas. Vite, 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 vite. Comment ça marche? Comment ça marche? Non! Voilà. T'imagines, j'explose tout ça là? Comment je fais? Comment ça marche? Comment ça marche? Oh non, non, il faut que je redescende. Oh. Comment ça marche? Mais non! Mais non! Bon, j'arrive, je comprends pas. On va exploser. Et en plus, je vais avoir un message. Je peux même pas cliquer dessus. Attendez. Ah, d'accord, on est en panne. Parce que j'arrive pas. Et lui, il est en panne parce que... Alors. Bon, il va mourir. Dépêche-toi. Comment qu'est-ce que ça marche, ce truc? Comment ça marche? Je comprends rien du tout. Oh! Mais on va tous crever. Ou alors, il faut peut-être que je réponde au message. Bah non. Allô, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais il va mourir asphyxié, le gars! Mais juste va à la fenêtre, monsieur, en fait. On va faire. Ah, je peux rien cliquer! Alors attendez, il se passe un truc, je comprends rien.
faut que ça soit des deux côtés, je comprends pas. Attendez. Ah, c'est je redémarre. J'avance un petit peu là? Je comprends rien. Attendez, attendez, attendez. Alors, c'est le grand mystère. Je suis désolé, je sais pas du tout ce que je dois faire. C'est n'importe quoi. Le monsieur là-bas, il va mourir. Voilà. Là, j'arrive pas à cliquer parce que... Quoi? Attendez. Non, j'arrive pas, hein. Je comprends rien. Il faut que je le laisse au milieu? Bah, c'est ouf, ce truc. En fait... Je me sens pas bien. Non, mais monsieur, reste avec moi. Reste avec... Non, mais je vais devoir recommencer le niveau, c'est pas possible. Attendez, voyons, 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 voyons. Vite, 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 je vais y arriver. Attendez. Là, il est où? Là, il est à droite. Là, il est au milieu. Là, il est à gauche. Là, il... Bah non, mais voilà. Où est-ce que je peux cliquer? Je peux rien faire. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Mince. Mince. C'est ouf, ça. Ça y est, il est mort. Oh, monsieur! Non! Restez avec moi! Qu'est-ce que... bah oui, j'ai pris ton whisky. C'est très bien. Attendez, c'est pas possible. Allez, recommencez le niveau. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop, 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 trop bizarre. Allez, on va régler ça. Comment je fais? Ah, il faut que... Bah non. C'est en train de monter. Ah, il y a ce bouton-là! Mais je suis trop bête! Voilà. Ok, on va essayer. Allons-nous. Bon, il va me retaper le discours là, c'est bon. Il a grave faim, je vais lui redonner à manger. Je vais faire une pause dans la vidéo, j'arrive quand ça tombe en panne et je reviens vers vous. Tiens, mange monsieur. Voilà. Ah, j'ai compris, il faut baisser chaque niveau une fois qu'on y est. Voilà, regardez. Vous voyez, par exemple, là, c'est rouge, je me mets là. Là, c'est... Je vérifie chaque côté et je les baisse, en fait. Quoi, quoi, quoi? Ah, ça y est, j'ai mon message. C'est Tim Lanning. Tim, s'il te plaît, des nouvelles du Nord. Désolé, mon ami. Je suis coincé à la métropole, il ne laisse personne en sortir. Où est le président? Tu n'as pas entendu? Armand White a disparu il y a quelques jours. Oh, le conseil dirige la cité maintenant. Oh my god. Attendez, c'est en train de tomber en panne. Voilà, je vous montre comment ça marche. Check, check, check. Donc là, c'est en train de devenir problématique. Donc je le baisse. Encore, encore. Voilà, je clique. Là, tout va bien. Ça y est, parfait. Et monsieur était toujours en vie? Bah voilà. Le monde entier, il entend. J'espère que nous n'en aurons pas besoin. Ah, je suis arrivé? Trop. La bombe. Ouais, ouais. On dirait le Fuji Yama là-bas. Hop là. Alors, où est-ce que je suis arrivé? Est-ce que je suis arrivé dans une ville de zombies ou de une ville normale? Ah, il me faut une clé. Oh, voilà, j'ai ma réponse. Je me rappelle plus comment je change d'arme. Voilà. Ça y est. Allez, c'est parti pour la flip. Et hop là, je recule. Très bien. Voilà, voilà, voilà. Allez, voyons voir. Code rouge, veuillez vous rendre immédiatement à l'abri. Ok, peut-être qu'on va trouver des gens à l'abri. Code rouge, veuillez vous rendre immédiatement à l'abri. Ah, verrouillé. Je le sens pas très bien. Bonjour. Non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et là, si je fais ça, voilà, c'est un coup chargé. Oh, des munitions. Oh, une vis, ça c'est pour les balles de fusil. Allez. Non, là, il n'y a rien. J'aime bien la petite ambiance comme ça. Excusez-moi. Oh, j'avais pas vu. Des cigarettes. Alors attention, on se prépare. Non, c'est bon, il n'y a personne. Mike, il y a un problème avec le cuisinier de l'école. Il nous faut un mois de plus pour l'intégrer. Si cela ne peut attendre, notre seule option est de l'éliminer. Quoi? Vous n'allez pas éliminer le cuisinier de l'école? Des pots.
Alors, voyons voir, il y a des jeux. Et voilà, ça je sais faire, je gère à coup, comme ça j'économise mes balles. J'aime bien faire ça. Ouais, là par contre c'est un peu compliqué, hein. 1, 2, 3. Non mais Bon, alors je crois que je suis obligé de. Voilà. De prendre des balles et de faire. Voilà. C'est, ouais, vous avez tout compris. Donc là c'est la même chose, là c'est la même chose. Je ne peux pas ouvrir bien évidemment. Là je vais reprendre la vis, les munitions de pistolet. Voilà. Attendez, je charge mon truc. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est. J'ai voulu faire mon fou et j'ai raté mon coup. Le frigo, je prends le pot. Lui, je vais y arriver par contre, ça je sais faire. 1, 2, 3, 4, 1. Là, il n'y avait rien. Voilà, là, il n'y a rien. Très bien. Ensuite, là, je suis obligé de faire ça. Ah, purée, mais j'avais pas vu. Ah, sinon, j'ai cru que c'était un carton. Très bien. Voilà. Les oiseaux qui s'envolent, c'est trop joli. Ah, alors, on va prendre la caisse, on va ouvrir la porte. Waouh! Alors, ensuite, on fait. Et on fait. Voilà. J'aurais pu reprendre l'autre caisse, mais j'ai flippé. Oh, c'est hyper joli, c'est une petite serre. J'ai quand même gâché pas mal de munitions là, ça va pas du tout. Je vais recharger. Voilà, je suis pas très malin. Mais c'est pas grave, j'ai trop flippé. Non, là, il n'y a rien. Là, je peux monter. Oh, poudre à canon, chiffon, vis. Trop bien. Hop. J'ouvre. Et hop! Ensuite, voilà. Les petits, j'aime pas. Parce que les grands, je peux les taper à la main et les tuer. Donc, c'est pour ça que je garde ça pour les petits. Voyons. BBNG XX1 14 Rubik fausse compilation musicale 12. Ah, bah oui, mais je peux rien voler. Là, je peux passer, ça a été défoncé. Ah. Clipping. Oh mince, je les aime pas eux. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller le tuer lui? Ouais, bah salut, hein. Désolé. Waouh! J'ai eu trop peur. J'ai eu, voilà. Mais j'ai pas perdu de vie, donc tout va bien. Marie, je ne vends pas des disques, juste pour vivre. C'est difficile à expliquer. Je ne peux pas tout te dire pour le moment. PS, on n'aura plus de photos. J'en ai marre de voir tes boobs. Voilà. C'est juste pour ça, en fait? D'accord. Bon, après, il y a des détails qu'on aime bien dans les histoires, mais après. Comment je. Oh, mais comment je vais faire pour repasser? Compliqué ça. Voilà, j'économise mes balles. Là, je suis en pleine panique. Donc, je vais peut-être préparer ça. Non, c'est bon. Ouais. Ah, ça, j'aime bien. Ok. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai flippé, j'ai posé la chaise. C'est normal. Donc, là. Ah, je peux passer derrière. Très bien. Oh, je gaspille trop mes balles, ça va pas du tout quoi. Je casse la vitre juste pour vous embêter, voilà. Oh, les chiottes, je vais prendre les chiottes. Ni, 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 ni. Si jamais je trouve un autre zombie, je vais lui tirer dessus. Donc je vais le poser. Attendez, comment je fais pour poser déjà? Comme ça. Mais non! Mais non, c'est pas possible. Oh. Mais. C'est pas possible! Je suis trop nul! C'est horrible! C'est comment déjà? Je me rappelle plus. Bon, bah, je le garde. Hein. Voilà. Je sens pas bien là. Il y en a qui vont sortir par la porte. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, mais. Je me trompe de bouton. Vous voyez, là, quand je suis vraiment dans la. Dans la merde. Alors, Denis Morgan, plus connu sous le nom du Forgeron, est né à Winston et a été placé très tôt dans un orphelinat local. Suite à la mort tragique de ses parents, il fuit à l'adolescence et s'est fait exiler de son pays natal pendant presque 26 ans. Pendant sa vie peu commune, Morgan a habité différentes villes sous un faux nom. À l'heure actuelle, il est connu sous le nom. Ah, de gardien, c'est lui. Ah, d'accord.
Intéressant. Je prends la chaise, j'ouvre la porte, je jette la chaise et 1, 2, 3, 4. Voilà, salle de réunion, il n'y a rien à casser. Je reprends l'autre chaise. C'est bon, j'ai compris comment on lançait les chaises. Ok, et comment on les pose? Oh, j'arrive pas! J'y arrive toujours pas, je suis désolé. Je recharge. Allez, eux, je les aime bien. Voilà. J'ai toujours toute ma vie. Je prends ça. Je peux pas prendre les chiottes, tant pis. Voilà, j'ouvre ça. Ah, c'est verrouillé. Très bien. Vous entendez ces bruits? Peter, écoutez, je pense que vous vous inquiétez pour rien. Toute la ville ne peut pas tremper tout entière dans une sorte de conspiration. Et enfin, ils ont vraiment besoin d'une cuisinière d'école ordinaire? Janine. Oh, c'est trop joli. C'est trop joli. D'accord. Alors, n'oublie pas de donner la clé à l'équipe de cuisine avant de partir. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, la voilà la clé. J'ai compris. Donc ça va m'ouvrir la porte là-bas et il va y avoir un souterrain. J'adore ce bruit, écoutez. J'aime bien, ça détend. Très bien. Eh voilà, j'en étais sûr. Ah mon dieu, les souterrains. J'ai pas envie d'aller dans les souterrains, s'il vous plaît. Oh non! Pas les souterrains. J'aime pas, j'ai peur. Souterrains. Bon. Pitié. Oh, ah le code! Non, c'est pas le code. Je continuerai demain de creuser un tunnel vers sa maison. Il ne reste plus grand-chose à faire maintenant. Je pense que nous pourrons installer l'écoute pour mardi ou plus tard. Ah bah bravo. Non, il n'y a rien. Allez, vas-y, je... Ouais, ok. 1, 2, 3. Oh, ok. Le stress, le stress, le stress, le stress, le stress, le stress, le stress. Je recharge, je passe, je fais ça. Non, c'est bon. Ok. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je passe en mode... Oh là là... État de l'abri fermé, civil 0, militaire 0, objet non identifié, 1214. Non! Pitié! Pas 1214 zombies! Vous êtes pas sérieux? Ah, bah c'était pas du tout lui que je visais. Ok. Donc on va viser la tête. Il est où? Ah, il est là. Oh. Non mais je suis trop mauvais, les munitions c'est vraiment une catastrophe quoi. Alors, on va se remettre en mode comme ça, on va recharger. On va faire ça. C'est immense. C'est immense. C'est immense. C'est immense. C'est quoi? Mais c'est pas possible. Oh, oh, oh là là. Oh mon dieu, d'accord. Amanda, j'ai envoyé Jonas à la base A sous la métropole, j'espère qu'ils lui apprendront les bonnes manières, effacer ce message. Je crois qu'Amanda est morte. Oh! Vous croyez que je dois faire exploser ça? Non, c'est pas possible. Attendez, je vais quand même regarder un peu ce qu'il y avait là-haut. D'accord. Poudre à canon. Y a rien d'autre? Ah, c'est un ascenseur. Comment je vais pour faire marcher ça? C'est un ascenseur, je crois. Là, je suis en panique, les amis. Alors, attendez, voyons voir. T'as de soin. Une porte, deuxième porte, troisième porte. C'est des sas, en fait. Non, je vais te reposer. Ah, ça y est, j'ai compris comment on pose les objets! Regardez! Tintin! Oh non! Ok. Voilà. Ensuite, on fait ça! Ensuite, on fait ça! Ensuite, on vise la tête. Ensuite, j'ai tout compris, vous avez vu? Le professionnel. Allez, viens par là, toi. Ensuite, toi. Ensuite, la tête. Oh, d'une pierre deux coups en plus! Formidable. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est une chaise? Non, c'est une chaise en fait. C'est une bête chaise. Oh là là, j'en peux plus. 1, 2, 3, 4. Non, non, non! Ouh là là, j'ai cru que j'allais tout faire exploser. Moi, ça va pas du tout. Je repasse. Je recharge un petit coup. La fusée est prête pour lancement. Attention, attends. Ah, oh mon dieu, mais c'est pas possible. Attendez, je regarde juste des trucs. J'explore, j'explore. Ok, c'est bon. J'ai géré. J'explore, j'explore, juste pour voir jusqu'où ça me mène. Lundi, retranscription. Vendredi, retranscription. Vous pensez vraiment que c'est le bon moment pour cela? Ok, mais quand? J'aimerais attendre un peu plus. Écoutez, nous attendions le bus. C'est le 30. Très bien, mais venez vite. Oh mon Dieu.
Ah, clé des voies ferroviaires. Ok, j'ai le code. C'est bon, j'ai tout compris. C'est par là, j'ai deux clés. On va voir le monsieur. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je fouille. Attendez. Là, c'est encore un ascenseur. Monter, descendre. Ne tirez pas! La métropole? Dieu merci, j'en suis. Alors, qu'est-ce que je fais là? Vous croyez que si je tire là-dessus, ça explose? Ok. Oh! C'était pour tuer les zombies en fait. Il fallait juste le lancer et tirer sur les zombies. Mon dieu. C'est bon, mais c'est bien, on en apprend tout le temps dans ce jeu avec moi. C'est bien. Moi, je pensais que ça ferait exploser la bombe, tout ça. Enfin, j'étais en mode, waouh, tout panique et tout. Et pas du tout. Voilà, et ben, c'est fini pour cette partie d'aujourd'hui. Et puis je vous dis bah merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, et attendez, on va juste regarder ce qui se passe quand même. C'est vraiment un super jeu, hein. Je regrette pas du tout de l'avoir découvert. Alors, ok, bah voilà, deux personnes avec moi, bah super. Et bah donc, je redis encore une fois, franchement, bah merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt, au revoir.